Et donc nous nous retrouvons épisode 19 ou 20? Bon, on s'en fiche. Et donc direction la lune. Voilà, allez, hop, voilà. Attendez juste qu'il me demande de l'utiliser. Algenib, Oméga de la source, Altaïr, on est parmi les étoiles, double H. Ouais, on va bouger d'ici. Plus, je crois que j'ai aucun pote de réparation. Ah, ça c'est un peu con, j'aurais dû en revoir. Le moteur stellaire qui rouspète. Presque neuf, qui disait leur rhino. Ouais, mais c'est le presque qui est relatif. Bon. Base lunaire en vue, mademoiselle Jade. Bon, écoutez, non, c'est juste... Alors, je vais organiser un crash, c'est fait exprès. C'est juste pour qu'on récupère toute notre vie sur le... Sur le Beluga. Voilà. C'est... Je sais, c'est un peu de la triche, mais bon. L'émetteur est là. C'est par là qu'il faut tenter de s'infiltrer. Non, sans blague. Bon. On va rentrer dans cet orifice. Et on va tout exploser. De l'extérieur, on voyait bien l'émetteur. Affirmatif. Bah oui, t'es dedans. Dès qu'on aura bouclé le reportage en bas, il faudra remonter le diffusé d'ici. Johnny, j'ai repéré les positions probables des activités Alpha. Tu peux les consulter sur ta carte, je te les ai affichées. Envoie-nous des photos. Et ça, il me semble qu'on est à l'épisode 19. En y réfléchissant. Hop, ici. Et là. Architecture d'Homs. On est en plein dans la base, mademoiselle Jade. Ok, allez, c'est parti, on perd pas de temps. C'est pas là qu'est le... Non, c'est de l'autre côté. Donc, en gros, il faut se servir du laser, là, de l'espèce de laser pour à peu près tout. Ok. Et il est là. Ok, donc... Et ça, on va l'orienter vers là-bas. Ouais, alors je sais pas ce qui se passe. Je n'ai pourtant rien, mais absolument rien qui tourne derrière, mis à part, comme d'habitude, l'upload d'un des épisodes donc de cette série. Et c'est tout. Et je comprends pas pourquoi. Bah, j'ai des bugs de son, j'ai des bugs de... et mon téléphone qui me dit que c'est le... qu'il est bientôt vide, qu'il a bientôt plus de batterie. Ouais, tiens, il tiendra bien encore un quart d'heure. Hop, deuxième. Oh zut, allez. Faut pas se presser, hein.
Bon, on va y arriver, la caméra qui fait encore n'importe quoi. Ça, j'ai compris comment le choper. Ok, et puis c'est tout. Non, faut que je le guide ici, mais je ne sais plus comment on fait. Ah si, je peux le guider là-bas. Ah ouais, ça passe tout juste en fait. Ah oui. Oh, un trou. Et ça. Et voilà. Aussi. Ils sont autour de nous. Ils nous attendent. Ok, le puzzle le plus nul du monde. Allez, c'est parti. Paige, Paige, tu m'entends? C'est moi, Jade. Presque. Et voilà. Oh, excusez-moi, j'ai glissé. Chef. Je reviendrai te chercher. Je te ramènerai chez nous. Sniff. Bon. Sauvegarder. Jade. Nous... Je sais plus ce qui bave. Nous pouvons sauver les autres victimes, il faut boucler le reportage. Ne vous exposez pas, mademoiselle Jade. Il faut d'abord ramener des informations. Alors. Là, j'ai pas. Alors, j'avais pas compris sur le coup comment on faisait.
Mais en gros, c'est tout con. Lui, on le bourrine. Voilà. Non, c'était pas ça que je voulais, c'était ça. Bon, je récupère le pognon, mais en fait, on en aura plus rien à carrer. Parce que de toute façon, on peut pas redescendre sur Iris. Alors, que je vérifie qu'il nous manque rien. Bon, là-bas, il reste des caisses, mais... Je vais juste les prendre pour le LOLS, quoi, parce que... Hop les... Bon alors je connais le chemin presque par cœur. Ça, donc là-bas on remonte, puis on descendra, puis... Double H, allez vite diffuser le reportage depuis l'émetteur et tout Illis sera avec nous. Le gouverneur acceptera certainement de vous aider. Johnny Nonstinda. Bon, je me suis tué un petit peu parce que voilà, parce que je voulais vous laisser lire en fait les sous-titres et puis entendre si vous arrivez bien à entendre. J'ai vu que normalement le son était plus que correct hein, pour mes vidéos, donc malgré que j'ai réglé le son vers je sais pas peut-être 15%.
À vue de nez. Double H, j'ai vu les prisonniers. C'est monstrueux, ils sont des centaines. Ok, bon, je vais sauvegarder histoire que, voilà, parce que je me suis fait les deux gardes et que... Et que voilà. Ouais, non, voilà, on s'en fiche. On s'en fiche, non, on s'en fiche pas, c'est juste que... Nous pouvons sauver les autres victimes. Il faut diffuser le reportage depuis l'émetteur. C'est incroyable. On vient de recevoir un mail de notre chef. Il est vivant, Jeanne. Vivant. Paige. Allez, encore une séance émotion. Un peu tordu, le coup du code sous les chaussures. Tu les as trouvés? T'as pas très fouillé mes réglages, j'espère. Elles sont exactement pareilles. Odeur et tout. Paige, tu étais... Mort, oui. Mais tu m'as sauvé. C'est toi qui m'as redonné la vie. Tu n'es pas celle que tu crois, Jade. Depuis toujours, une énergie prodigieuse sommeille en toi. Aujourd'hui, elle s'éveille. Et tu commences à la maîtriser. Paige, les enfants, ils... Je suis au courant. Enlevés aussi, oui. Ils sont dans la grande crypte, là, en dessous. L'accès ne se fait que par l'aire d'atterrissage. Il faudra qu'on revienne en vaisseau. Mais pour l'instant, on ne peut rien faire du tout. Nous ne sommes pas assez nombreux. Il nous faut absolument de l'aide pour pouvoir attaquer cette base lunaire de fond. Le seul moyen d'obtenir le soutien des habitants d'Ilis, c'est de suivre le plan de Nino. Il faut boucler le reportage et le diffuser depuis l'émetteur. Ok, allons-y, Paige. Kos. C'est par là. Je récupère. Je connais ça. J'ai passé 16 heures dans leur machine. J'y suis resté 3 semaines. Ok, Jade. Merci d'être venu me chercher. Attends, mais c'est le Beluga. T'as réussi à le remettre d'aplomb. Tu parles, j'ai pas eu grand chose à faire. Dis donc, t'as dû y passer un temps fou. Donc je sais ce qu'il faut faire, hein, donc ouais, par contre, si quelqu'un veut bien appuyer... Merci. Ouais, non, en fait, je dois encore monter. Jade, ça va pas fort. Il te resterait pas un Starkos. Ok. Alors, c'est accroché. Alors ouais. Donc là, il va falloir réagir très très vite. Attention, ça va aller très vite.
Et le timer m'annonce que c'est la fin de l'épisode. Donc j'espère qu'on aura le temps de sauvegarder. Ouais, et... Ah oui. Donc on joue les prolongations. Ah ouais. Canon 60, progression en zigzag. Carson et Peter, page 39. Tenez bon, on approche de l'émetteur. Y'a pas un point de sauvegarde dans le... Non. Voilà, hop, donc on va sauvegarder et puis on va continuer au prochain épisode. Donc il me semble que c'est l'épisode 20, j'ai toujours pas vérifié. Mais voilà, donc à tout de suite.